Yo, aujourd'hui on est à Lannion, on est au parcours parc de Lannion avec les frérots derrière. Donc je suis avec Léo et Pierre. Malo devait venir mais finalement il n'est pas venu, il a eu un empêchement. Du coup voilà, on va essayer de lancer du lourd. Ça part sur une vidéo à Lannion, parcours parc, let's go. Allez Lucien, fais des accros, vas-y, prends mon taf, vas-y. T'as v'là le boulard. Là ça fait une heure qu'on est en session. On a déjà calé des petites dingueries, c'est cool. Du coup voilà, il nous reste une heure et demie avec la petite glace voiture là-bas. Et ça part sur d'autres lines. Lucien se chauffe sur une rondade bac, il a jamais fait ça, mais c'est parti. 2, allez, go. Au calme, ma gueule, au calme, il est trop chaud. Et la glace mobile. Bon, bah écoute, on rentre. On rentre à la casa. Allez, ça part. Et on va chercher des saucissons juste en bridou, ma gueule. Si vous voulez des gros muscles, bah faites pas ça en vrai. Manger des légumes, c'est mieux. Bon, fin de session. C'était cool. Voilà, on a fait un petit training à Lannion. Vidéo, je pense, un peu courte, mais intense. Je me suis fait une petite cheville au passage. Du coup voilà, ça fait chier mais bon, on va repartir d'ici une petite semaine. Non mais voilà, c'était vraiment cool. Du coup on a pu rencontrer Mathéo, petit insta en description, qu'on va essayer de se recapter parce que voilà, on s'était pas vu depuis longtemps, puis entre associations c'est bien de se rencontrer. Pierre, le mot de la fin. Radiateur. Allez. Le mot de la fin. Moi j'étais là en fait, si tu veux, je regarde la route. Sur la route il y a des voitures, il y a des Passat. La dernière fois que j'ai pris 3 mecs dans ma voiture plus une Passat, et bien après j'ai plus de Twingo. Donc et moi j'ai fini dans le coffre. Yes. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, mettez des petits pouces bleus, mettez des commentaires si vous avez kiffé. Abonnez-vous. Oh, la bosse. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Attends, on vient d'arriver chez moi et regardez sur quoi on tombe. On est bloqué par une putain d'oie sur la route. Problème de paysan breton, j'ai envie de te mec, dire. Non mais mec, c'est quoi ça? Il s'en bat les couilles hein. Allez là. Tu fais quoi frérot? Non mais il en a rien à foutre. Eh non mais c'est n'importe quoi. Putain mais le problème de pécor. Putain mais c'est quoi ce pays bordel.